Ah, les vivants, ils ont toujours des belles phrases pour parler de la mort. Moi, ça me fait bien rire, les belles phrases. Ah ouais. En même temps, j'en ai besoin. Hein. Parce que sans belles phrases, eh ben, tu t'assois sur le trottoir et tu pleures. Non, mais t'imagines ? Une ville entière de gens assis sur le trottoir et qui pleurent. Quand tu reçois le jeton, tu as 24 heures exactement pour régler des affaires, des trucs, des machins. Et 24 heures après, paf, tu meurs. C'est une injustice crasse que je reçoive le jeton en premier. À 70 ans, tu peux recevoir le jeton, même si t'es en pleine forme. J'ai 68 ans. Ça n'est pas 70. Cette connerie de vieillesse. J'emmerde personne qui ça dérange, que je vive encore un peu. J'ai reçu le jeton. Ils vont me choper maintenant dans 20 heures. Mais ça, c'est mon problème. Pas envie d'en parler. On reste ensemble. Ce soir, on fait péter les grands crus. J'adore mon plan. Liberté, liberté. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le cercle plein d'air. Alors, si je te montre mes seins, tu m'embrasses? Mesdames et messieurs, ceux qui savent pas nager sont priés d'évacuer. Non mais ça va pas, Albert, ta gueule. Jusqu'au bout, ça nous lâche pas, c'est dingue. Mais je ne veux pas mourir du tout, merde! Fin de la conversation! Mais j'ai peur, Geneviève, je veux pas. Je ne t'ai point assez aimé, toi, mon corps. Et me voilà le jour du jeton. Putain de jeton! Il ne reste plus rien de mon enfance. Un peu de fumée dans un coin de ma tête. Juste un peu de fumée des joints de ma mère.